Aujourd'hui, dans le quintet, je présente Vainqueur Island. Vainqueur reste sur une mauvaise performance, c'était fin juillet en gain. Le cheval était arrivé certainement un petit peu émoussé sur cette course-là. En plus, j'avais donné les ordres à Pierrot d'aller devant. Je pense que c'était pas le jour de faire ça. Voilà. Et je pense que le lot était plus dur que ce que j'avais pensé. Donc on avait tout faux sur la ligne, on va dire. Et donc du coup, on a redonné un peu de fraîcheur au cheval. Il en a vraiment besoin, lui. Puis voilà, on l'a amené un coup ou deux à travailler sur les hippodromes, ressortir un petit peu, pour essayer de le préparer au mieux pour cette course-là. Voilà, l'engagement est bon. Toulouse, je crois qu'il a déjà gagné là-bas. C'est une bonne course. Maintenant, il y a quelques chevaux qui avancent, des étrangers qu'on semble encore un peu déclassés. Bon, on serait dans les quatre premiers, on serait bien contents. Isaac Diossi fait une course de rentrée. Il n'a pas couru depuis longtemps parce que faute d'engagement, on n'est pas très bien au niveau des engagements. C'est un cheval en plus qu'on court que monter parce que Atlas est infernal. Lui, je pense qu'il va faire petit bras à la corde. Hein, je veux dire à la gamine que ça folle pas, qu'elle vienne que pour finir les 700-800 derniers mètres. Si elle a du gaz, hein, parce que il peut certainement manquer un peu pour finir. Break de Bertrand va sûrement courir un petit peu mieux que la dernière fois. Il était vraiment à courte condition. Là, je vais demander à mon driver de pas être trop offensif, hein, de courir le rail, de venir finir. Je pense qu'il va être un petit peu plus près que la dernière fois, mais il va encore manquer.